Bienvenue dans l'appellation Condrieu, au cœur du parc naturel régional du Pilat, sur ces trois départements que sont le Rhône, la Loire et l'Ardèche en descendant le Rhône le long de la Via Rhôna. Nous sommes à peu près 70 producteurs commercialisant du vin. Un cépage vionnier très typique et très aromatique, des notes de pêche, d'abricot, mais aussi florale, la violette, la fleur d'aubépine, la rose. C'est un cépage qui est très recherché parce qu'ils ont un bouquet tout à fait particulier. Un vin très gras, très riche, voilà, que l'on ne retrouve nulle part ailleurs. La particularité de ce vignoble qui est à forte pente, c'est qu'il n'y a pas de mécanisation possible, ou très très peu, un tout petit peu de travail au cheval, mais essentiellement à la main, comme l'a été travaillée cette parcelle-là, à l'ancienne, si on peut dire, à la pioche. Un vignoble très en pente, avec une mode de culture particulière, deux tuteurs que l'on appelle ici échalas. Cette méthode est utilisée de façon ancestrale, de façon à mettre tous les raisins au soleil. Alors le terroir granitique permet à ce cépage, par le manque d'acidité qu'il a, lui donner une sensation de fraîcheur et de minéralité. Il y a à peu près 2000 ans, les Romains, l'époque romaine et gallo-romaine, la construction de murs a été établie en pierre sèche, comme on peut le voir ici, pour limiter la pente et retenir le sol et ce terroir. L'autre particularité sur la région, certes, nous avons le vignoble, mais aussi des petits villages comme Malval, cité médiévale, ancien repère de brigands, voilà, qui est aussi à faire, une petite grimpette en vélo, et on y est. Lorsque vous êtes sur la Via Rhôna, que vous souhaitez visiter quelques vignerons, le plus simple, c'est certes d'appeler avant le vigneron pour qu'il soit disponible dans les meilleures conditions pour vous recevoir. Et vous pouvez y aller sans aucun problème, vous seriez accueilli à bras ouverts.